une maladie qui affecte les os, qui affecte ses os. Le Seigneur me dit, tes os sont restaurés, tout ça dans les choix. Tu ne verras plus ce problème-là. C'est vous ? Venez, venez, venez. Oh, Jésus, c'est quoi ça ? Oh, Jésus, c'est quoi ça ? C'est réglé. Au nom de Jésus, c'est réglé. Maintenant, allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu sors. Jésus, louis, Jésus, louis, ça sort là. C'est un esprit qui mange ces os-là. Voilà. Le médecin va se demander, mais qu'est-ce qui vous est arrivé là? Le Seigneur t'a voulu réparer ces os-là, tout ça, la maison de là. Oh, Jesus Christ. Jésus est le meilleur charpentier, hein. Je vous dis, le meilleur charpentier. Il le restaure, tout ça là, il guérit, il façonne, tout ça là, c'est. Oh, alléluia. Quelqu'un a une maladie, là, une hépatite, tout ça là, qui affecte le foie, là, tout ça là, qui affecte le foie. Le Seigneur me dit ici là, une hépatite, tout ça là, c'est une guérison, là, tout ça là, le Seigneur va te donner un foie tout nouveau, là, tout ça là, c'est l'organe là. Oh, alléluia. Une réparation, réparation. Alléluia. Oh, alléluia. C'est fini là. Tu crois là? Gloire à Dieu, lève-toi là-bas. Jésus Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a l'onction là, les amis là. Oh, waouh. Accorde le Seigneur. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Bah oui. Tu peux marcher, ma soeur, normalement, mon déchet. Tu peux bouger tes jambes comme ça. Voilà. Marche, marche. Alléluia. Pas très mal là. Depuis quand? C'est la polyarthrite, tiens là. Et là, partout. Oh, alléluia. Vous pensez que ça peut. Amen. Qui peut faire ça? Amen. Qui peut enlever cette douleur? Oh, Jesus Christ. Femme, ça va mieux. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, qui peut faire ça, mes amis là? Jésus. Oh, Jésus. Voilà comment Jésus guérit. Voilà comment Jésus guérit. Naturellement, gratuitement, il touche, puis d'autres, ça va. C'est pas la religion. Tout est gratuit. C'est ça qui est magnifique avec Jésus-Christ. Il parle. Vous savez, quand vous allez voir les marabouts, là, quand on allait voir les marabouts, les voyants, on frappait à la porte. Ils disaient, c'est qui? Si c'était les voyants, ils allaient savoir, ils devraient savoir qui on était, non? Alors, Jésus, par contre, il dit, avant que Philippe t'appelle, j'étais vu. Alors, ils voient. Il y en a qui disent, mais comment il fait tout ça? Il y en a qui vont dire, mais t'es sûr, chérie, que c'est pas toi qui as rapporté les choses là-bas? C'est pas toi qui as passé un petit coup de fil? Non! Il y a quelqu'un qui est là qui voit tout. Et une femme stérile ici, je me dis, une femme stérile. Le Seigneur te dit, tu auras des enfants. Tu auras des enfants. En sortant d'ici, c'est fini, c'est réglé. Au nom de Yeshua. Une femme qui demande des jumeaux. Eh bien, tu les as, tes jumeaux, au nom de Yeshua, le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci pour la foi. Seigneur, merci mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu. Quelqu'un en priant ce matin disait, Seigneur, je veux que tu me parles, je veux, moi je veux vraiment que viens. Tu vois, le Seigneur te connaît, jeune femme. Oh, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci mon Dieu. Oh, alléluia. Tu es marié? Non? Tu veux te marier? Oui. Mm-hmm. Oh, Jésus. Tout ce que tu as demandé au Seigneur là, qui est dans sa volonté, en sortant d'ici, j'ai vu des anges avec des cadeaux pour toi là, qui sont descendus du ciel là. Le papa céleste là. Oh, alléluia. Jesus, alléluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Une onction de guérison là sur elle là. Jesus, alléluia. Oh, alléluia. C'est bon. That's okay. God bless you, sister. Alléluia. Ah, yes. No problem. Alléluia. Je comprends la bien maintenant. Vous rentrez dans la vision. Quelqu'un doit être opéré au niveau de ses genoux, tout ça là. Oh, alléluia. Surtout l'un des genoux là qui commence à t'affecter là, tout ça là. Mon frère, touchez ça, vous avez mal au genou là. Venez. En venant ici là, touchez vos genoux en même temps là. Et guérison là, maintenant dans le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Plus d'opérations là, le Seigneur dit là. Plus d'opérations là. Au nom de Dieu, oh non, non, il est chaud, il est plein à Dieu. Au nom de Jésus. C'est une atrophie qui se perd de naissance. Une atrophie, la mère. Ah, alléluia, gloire à Dieu, là, c'est. Ouais, c'est alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, c'est. Les deux, là, sont tous ceux-là.
Vous pensez que le Seigneur peut restaurer? Alléluia. S'il y a des pièces de rechange pour le véhicule que nous avons, et celui qui nous a créé, il a beaucoup d'organes de rechange aussi. On fait des commandes et les anges viennent nous livrer. Les livreurs, ce sont des anges. Gloire à Dieu, c'est bon, c'est Dieu, c'est magnifique, Dieu, Seigneur, merci, gloire à Dieu. Ouais, toi, t'es quoi? T'es footballeur, hein? Footballeur. Tu joues dans quel club ici? Je joue Payen. Ah bon? Tu veux aller plus loin encore? Ouais. Tu sais que tu faut aider les pauvres, après. Oui. Bien sûr. Tu peux aider les pauvres? Oui, je vais. T'as mal où? Ici. Depuis quand? 2 mois. Tu penses que Jésus peut te guérir? Oui, je pense que je vais. On enlève ça, on jette ça. Ça va pas chez les voisins, vous inquiétez pas, ça parle loin. Guéri au nom de Jésus. Il est 17h. Ah oui, déjà, on passe vite. Bonjour à tous. Alors, moi je suis arrivée, ça fait presque 2 ans. Je souffre d'une douleur au niveau des seins. J'ai pensé à toutes choses. J'ai fait faire des mammographies et tout. Encore ce matin, je venais en disant, Seigneur, je viens vers toi et à toi seul. Tu sauras ce que tu feras de moi. Et là, aujourd'hui, j'ai ma guérison. Amen. Et puis, j'aimerais aussi demander pardon à ma maman. En début d'année, ils sont venus là. Ça fait presque 1 an et demi. On ne s'est pas mis au temps. Je ne sais pas comment expliquer. Mais aujourd'hui, maman, je te demande vraiment pardon. Venu réconcilier de famille. Oui, l'évangile. Ça, c'est la présence de Dieu, mes amis.
C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Oh, c'est la présence de Dieu. Oh Seigneur. Quelle joie. Quelle joie. La femme, la mère qui retrouve sa fille, la fille qui retrouve sa maman. Quelle joie. Le Seigneur. Et en roulant,
disait au Seigneur, on va chercher la face du Seigneur. Puisqu'il joue au foot, le docteur a dit qu'il va faire 6 mois sans jouer. Il n'arrivait même pas à plier son genou. Et je rends grâce à Dieu et je dis mon fils, plier son genou et il marche normalement. J'ai béni l'Éternel. On va se voir, on va se changer les coordonnées, on va s'appeler pour s'encourager. Tu vas voir, les docteurs vont être étonnés de la transformation de la vie de ton enfant. Gloire à Dieu. Vous voyez tout bien. Ça, c'est la présence de Dieu qui fait ça. L'Esprit vient, les anges viennent et ils calment tout le monde. On fait des réunions, vous voyez les enfants, d'habitude, avant on les mettait dans d'autres salles, école de dimanche, regarde les enfants, ils n'embêtent personne. Parce que la présence du Seigneur est là. C'est ça l'évangile. Laissez ça. Poursuivre les hommes qui veulent qu'on change le message. Non. Si ce n'est pas Dieu qui fait ça, qui peut faire ça? Cette présence du Seigneur. Je bénis Dieu parce que le fait de vous voir aussi mobiliser à chaque fois malgré le combat nous encourage énormément à aller encore plus loin. Parce que nous menons un combat, nous livrons une bataille aussi pour chacun de vous, pour nos enfants, pour vos enfants, en tenant ferme face à la compromission, face à toutes sortes de menaces, à la pression. Nous voulons vraiment que la gloire soit au Seigneur. Viens. Quand on voyait des jeunes filles comme ça, on n'a pas crié sur elles, comme dans le passé, dans les assemblées, où il fallait crier sur elles, tout ça. Non, Dieu est là. Laissez Dieu s'occupe d'elle. Et cette fois-ci, on va se voir comme on est là jusqu'à demain. On va se voir à la fin pour échanger. On peut rester dans la salle jusqu'à quelle heure? Après le programme? C'est bon? Donc, on est là, on est venu pour vous servir. Nous sommes à vos services, à votre service. Et vos serviteurs, comme Paul pouvait le dire, donc vos diacres. Et n'hésitez pas si vous voulez échanger avec vos frères et sœurs. Et s'il y a des gens qui ont des besoins de la prière au niveau de la maison, il y a des frères qui sont des frères et sœurs qui sont venus de Paris, qui peuvent aller à la maison si c'est possible pour prier. Demain, le programme commence à quelle heure? À 9h, c'est ça? À 9h, on va tâcher d'être là tôt pour recevoir. En tout cas, on tâchera d'être là à partir de 7h30, 8h pour recevoir les gens qui veulent venir tôt pour échanger, pas de problème. Donc, voilà, c'est vraiment un encouragement, une joie pour nous de voir cette grande mobilisation. Comment ça se passe? Ça va? Ah ouais, you are going to speak English. Je vais essayer de parler français, mais je sais pas. En fait, je voudrais vous demander pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait de ma vie. En fait, quand j'étais petite, Ok, là, can you translate please, my sister? Can you translate? Tu peux traduire? La sœur qui traduisait la. Ouais? Ah, je suis English. Ok, là, c'est bon. Elle a la question. You can speak. When I was young, I was. Mon père ne savait pas, et ma mère et mes sœurs. Est-ce que vous l'entendez? Au fond, ils n'entendent pas. I was having my friend. J'ai eu mon ami. She was coming to our house every Saturday because he was not with my mother. À ma maison. She was coming every Saturday to in our home and we slept together. Nous avons dormi ensemble. She was gay. Elle était lesbienne. Oui. Quand elle était petite, elle était lesbienne. Oui, avec une amie qui venait tous les week-ends. Tous les week-ends à la maison avec une amie et elle couchait ensemble toutes les deux. Tu
veux parler? Quelqu'un parle plus fort là-bas. Ok, quelqu'un qui parle plus fort. On acclame le Seigneur pour elle déjà. On va parler plus fort pour. Ça là, mes amis, dites-moi, qui peut produire cette conversion-là? Oh non, c'est magnifique. But after. Mais après? I used to love many boys, and j'aimais beaucoup d'hommes. I wanted boys to love me, and if I see some boy, I want to look at me to see that I'm beautiful. Je voulais de beaucoup de garçons même. But every boy which I loved, there was separated. I don't know, but God separated us. Chaque garçon que j'aimais, ils étaient séparés. When we came in France, quand on est venu en France, there was a boy which I loved so much. Il y avait un garçon que j'aimais beaucoup. I prayed something to him to show that I love him. Quelque chose à lui. And God did not accept it. et Dieu n'a pas accepté. I didn't do it. Et je n'ai pas fait ça. And it was very stupid. Et j'étais stupide. When I came in France, quand je suis arrivée en France, and then I loved another boy. Et j'aimais un autre garçon. I loved many boys. Et j'ai aimé beaucoup de garçons. But the boys, I thought that the boys do not love me. Les garçons ne m'aimaient pas. I tried as I can. J'ai essayé autant que je pouvais. Je cherchais les vidéos sur YouTube comment on peut faire pour les garçons. Then I was looking video on YouTube how you can make it love with men. To love a guy. Pour m'aimer, aimer les garçons. Oui, I tried everything. Et j'ai tout essayé. When the boys started to love me, et quand les garçons ont commencé à m'aimer, we changed the house. We came in here. And please, we demolished. Ah, okay. You move. Okay. At Lyon. Area. Oh. Lyon. And at Lyon. Oui, and nothing happened. And rien ne s'est passé. Oui, because she was starting to love me. He was starting to love me. Okay, il a commencé à m'aimer. Mais là, on avait moved to another place. Et on devait bouger sur un autre endroit. Oui, that, and I thank God. Et je remercie le Seigneur. For tout ce qu'il a fait pour moi. Sorry? For tout ce qu'il a fait pour moi. For all he has done for me. Because? Parce que? He loved me. Parce qu'il m'aime. He doesn't want to see me doing that thing. Il ne voulait pas me voir faire ces choses-là. That's why he separated me in everything. C'est pourquoi il m'a séparé de toutes ces choses. I thought that I was not beautiful. Ah, et je pensais que je n'étais pas belle. But I'm beautiful. Mais je suis belle. I know that his Lord is the one who loves me, and she does not want to love another boy. Et je sais que c'est le Seigneur qui m'aime et il ne veut pas que j'aime un autre garçon. Oui, voilà. And if I try to love another boy, et si j'essaie d'aimer un autre garçon, he can't love me. He can't love me. Il ne peut pas m'aimer. Parce que ma vie appartient à Jésus. Because my life belongs to Jesus. If I try, si j'essaie, ça ne va pas. It doesn't work. Because ma vie appartient à Jésus. Because my life belongs to Jesus. No, it's finished. Yes, now life with women is finished. Okay. Wow. And I thank God. Je remercie le Seigneur. And I will serve Him. Et je veux le servir. Toute ma vie. All my life. Voyez comment Dieu est bon. C'est l'esprit là qui était là tout à l'heure, la sirène. Vous avez vu, hein? Elle était, quand elle était jeune, quand elle était plus petite, encore plus jeune au pays, une de ses amies venait tous les week-ends chez ses parents et toutes les deux, elles couchaient ensemble comme des lesbiennes.
C'est pour cela, parents, les amis de vos enfants, quand ils viennent à la maison, il faut bien se renseigner, il faut bien prier pour que Dieu vous montre leur état d'âme. Il se passe beaucoup de choses. Bon, vous voyez l'esprit qui était la sirène? Vous voyez ce que cet esprit faisait faire à cette jeune fille? Et beaucoup de jeunes filles sont comme ça dans son cas. Donc ce n'était pas un jeu, des secrets, des choses cachées. Et sans la puissance de Dieu dans nos églises, il n'y a pas tout ça. Les gens se lèvent, confessent le lesbianisme, la monstruosité, la sorcellerie, confessent et disent, nous n'en voulons plus. Quelqu'un fume beaucoup ici. Il y a un cancer de poumon là, qui te menace. J'aimerais te voir, il faut que tu ne veux pas abandonner la cigarette. Viens, amène-moi toutes ces clopes là, tout ça. Là. Ça serait bien, amène-moi toutes ces clopes. C'est pas fini, amène-moi toutes vos clopes là. Venez là, vous toutes les personnes qui fument là, venez me voir avec vos cigarettes. Amenez-moi vos cigarettes si vous voulez abandonner véritablement. Mettez-la par terre, là, vos cigarettes, là, vous allez marcher dessus. Maintenant, Yeshua, le Seigneur va vous libérer de cet esprit-là, de la nicotine, là, de la dépendance, là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, la puissance de Dieu va tomber sur vous. Là. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Fumez-tu. Et on crie dessus, Che Guevara, alors qu'il est déjà mort. Oui, tout ça, c'est les poumons de Che Guevara, sinon tu risques d'avoir les poumons de Che Guevara. Tout ça, mon frère, au nom de Jésus de Nazareth, tu dois marcher dessus en prononçant la parole de Dieu en disant, j'arrête avec la cigarette, je te chasse la cigarette au nom de Jésus de Nazareth. C'est fini, c'est réglé. Oh, regardez-moi tout ça, cet esclavage, tout ça. Oh, c'est terrible tout ça. Oh, fumer nuit gravement à votre santé, à celle de votre entourage. Eh bien, tout ça, c'est fini, ma soeur. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Dieu te délivre de la dépendance de la nicotine. Dieu t'aime. Le Seigneur voit tes larmes. Le Seigneur voit ta souffrance. Le Seigneur voit ta solitude. Tout ça, là. Il te dit dans ta solitude, je veux me révéler comme un époux. Je veux libérer ta vie, ta famille, tout ça, là. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Dieu l'aime. Alléluia. Le Seigneur va sécher ses larmes. Tout ça, là. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, Seigneur, merci pour ma soeur qu'elle soit libérée aussi au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Oh, tout ça, c'est fini. Vous allez, dorénavant, là, vous aurez un dégoût de la cigarette, tout ça, là, ça va être amer, là, tout ça, c'est fini, fini. Poubelle, tout ça, c'est fini, c'est réglé. C'est bon, bon courage, c'est bon, c'est fini. C'est bon. On a fini. Quelqu'un a dit quelque chose? Ah non. Oui, ma soeur? Hein? Céline, qui connaît Céline ici là? Céline. Pourquoi on parle de Céline? Hein? On a dit Yeshua, Céline, on a dit Yeshua, le Seigneur Sauveur. Oh, ça va? Plusieurs petites dards, là, des aiguilles, là, tout ça, là, mais c'est plus que c'est comme des pics, tout ça, des pics, comme une poupée, là, tout ça, là, partout. Quand elle va se relever, là, c'est fini. Tout s'arrête ici, au nom de Yeshua. Le Seigneur a vu, le Seigneur est en train de changer ton sang, là. Il est en train de changer son sang. Il est en train de changer son sang, là, c'est fini. Transfusion spirituelle. Ça va? Oh. Je vous ai un peu de guérir ma soeur là. Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Oh, la puissance de Dieu. Ça va? Tu es baptisé? Catholique? Catholique et puis l'église de Réveil. Oh. Est-ce que tu es dans un groupe là? Tu connais un groupe là
où des gens font des cotisations et tout ça. Tu as déjà fait ça? Tu fais ça en ce moment? Partout en Afrique. Et ici, tu fais ça aussi, hein? Voilà. Tu fais ça, là. Tu vois, c'est ça, là. On donne de l'argent, chacun, chaque mois, quelqu'un prend quelque chose. Tu vois? Ça, depuis combien de temps tu fais ça? Depuis des années? Et tes yeux, c'est depuis quand? Longtemps. Longtemps. Je me suis déjà opéré. Jesus. Il faut plus que tu fasses ça. Le Seigneur brise la sorcellerie. Il faut que tu sortes de ce groupe-là où chacun cotise là-bas. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des sorcières là-dedans. Il faut que tu arrêtes ça. D'accord? Et tu verras tes yeux là, c'est bon, tu vas témoigner toi-même. Tu vas lire comme un. Tu veux lire sans lunette là? Jesus Christ. Jesus Christ. Hein? Prends ta Bible là. Tu veux une Bible avec toi là? Eh bien, tu peux la lire là. Jesus. Dieu veut que tu sois comme un médecin là, comme un avocat là pour défendre les autres. Vous voyez les poils sur toi là, tout ça, c'est vrai, le niveau de dingue là. Parce que tu es appelé à aider beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Il a voyagé beaucoup aussi, beaucoup en Afrique, a travaillé beaucoup en Afrique, dans un organisme international, pour aider beaucoup de personnes. Ça, c'est ton appel. Le Seigneur te dit, je te connais ma fille, je t'aime plus que tu le penses. Tu as l'impression que je ne te vois plus, tu as l'impression que je t'ai oublié. Le Seigneur te dit, je t'ai appelé, tu vas travailler pour moi dans mon royaume. Le Seigneur te dit, comme un médecin, comme une avocate, tout ça, dans un organisme international, et je te vois beaucoup voyager en train d'aider beaucoup d'enfants, beaucoup de pauvres, tout ça, beaucoup des enfants de la rue. Et aujourd'hui, ma fille, je te délivre de la mort. Je te libère de la mort parce que les sources de ta famille, de ton père, veulent la mort, réclament ton âme. Et aujourd'hui, ils ont dit, la mort s'en va maintenant. Sortez. Allez, sortez, voilà. Allez, sortez. Allez, Seigneur, interrompez-la. Amène-le-moi ici. Acclame-le, amène-le-moi. Lâche-moi. Tiens ça. La puissance de Dieu, tu ne peux rien contre moi. Laissez-la. La gloire de Dieu, là, tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux rien et tu le sais. Il y a un mur de protection autour de moi. Vraiment. Je suis mandaté par le Dieu du ciel. Tu as peur de la gloire qui est là maintenant. Tu as vu dans ta peur maintenant, tu vois. Acclame le Seigneur, toi. Regardez la puissance de Dieu.
Il y a un mur d'anges autour de moi, autour de tous les enfants de Dieu ici. Cette jeune fille a un puissant appel. Non, mais... non. C'est pour cela que les esprits impurs et cet esprit humain, cette personne sorcière de sa famille, veut la sacrifier. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Maintenant, la puissance de Dieu qui m'a maltraité est sur moi. La puissance apostolique du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es obligé de te mettre à genoux et de lâcher définitivement sa vie. Non. Car tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute langue confessera. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. La Bible dit qu'il a reçu le nom. Oui. Qu'il a reçu le nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et que toute langue confesse. Que Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Cette parole est dans la Bible. Donc toi, esprit humain, toi, esprit de sorcellerie de la famille, au nom de Yeshua, toi, esprit de mort, envoyé pour tuer cet enfant, tu as été vaincu à la croix il y a 2000 ans. Quand Jésus a dit tout est accompli, son sang a coulé à la croix. Maintenant son sang a coulé. Jésus. Comment ne pas adorer Jésus? Oh non, 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 non. Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Oh, ya, 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 ya. La gloire de Dieu est là. Sylvain, c'est magnifique. C'est magnifique. La gloire de Dieu est ici. C'est magnifique. Quand on pense finir, c'est là que ça commence. Il y a des prophétesses ici, Dieu est moi. Il y a des prophétesses, des prophètes. Ici, elle est là, elle est là, elle est là, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus. Jésus, oh, oh, Jésus.
Nous avons fini.